Ok, pour commencer, on va apprendre des nouveaux mots. Voilà, le premier c'est nom, c'est éminent. C'est la terre. La terre. Que veut dire la terre? C'est quoi la terre? Oui, Ronan, c'est quoi? C'est tout ça, non? C'est où nous vivons, non? Alors, on va dessiner notre terre. Je vais commencer avec un cercle. Oh, c'est horrible, ce cercle. Ok, voilà, je veux dessiner la terre ici. C'est l'Amérique du Sud. La Californie, ça c'est les États-Unis là. Ça c'est Europe. Et l'Afrique. Voilà. On va mettre de l'eau dedans. Voilà, ça c'est mon terre. Ça va? Vous avez dessiné bien vos terres? La prochaine, c'est non, toujours, c'est toujours féminin. Et c'est la lune. C'est quoi la lune? C'est quoi la lune? Oui, Levi. Oui, il orbite la Terre, non? C'est la grande boule dans le ciel, non? C'est notre Lune. Voilà, la Lune. Voilà la Lune. Vous allez dessiner la lune aussi. OK. Voilà. Le prochain, c'est un nom, c'est masculin, c'est le soleil. C'est quoi le soleil? C'est quoi le soleil, Calissa? Oui, c'est énorme. Très bien. C'est ce que nous donne de la lumière, non?
Alors, c'est grand, 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 c'est énorme. Si, créer. Alors, c'est horrible. Alors, mon soleil, là. La jambe ne veut pas marcher. Alors, le soleil, non, avec les rayons qui brillent. Qui nous donne la chaleur et aussi la lumière. Ça c'est le soleil, la terre, la lune. Qui a rendu les classes? La terre, la terre, la lune, la lune, le soleil. Le soleil. Hein? Ça va. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la lune? Oui, Calissa? C'est pas fait de fromage. C'est pas fait de fromage. Non, ce n'est pas fait de fromage. Très bien. Liva, qu'est-ce que tu as dit de la lune? Il encercle la Terre. Oui, il encercle la Terre. Alors, la lune orbite la Terre, non? Donc, la lune orbite ou bien encercle la Terre. Très bien. La Lune encercle la Terre. Okay. Quoi d'autre? Oui, Michel. Ok, oui, la Terre a la gravité, oui. On va parler de ça plus tard. Très bien. Oui. La Terre encercle le Soleil. Oui, très bien. Alors, la Terre orbite le Soleil, non? Donc, la Terre orbite le Soleil. La Terre orbite le Soleil. Ok, on va parler plus de la Lune. Et j'ai une question pour vous. La question est ça. La Lune change-t-elle de forme selon un modèle? La Lune change-t-elle de forme selon un modèle? Okay. Ça, c'est votre question. Mais ça veut dire quoi? La Lune, non? Dans le Soleil. Change de forme. Non. Il peut être très très lent. Ou la moyenneté de la lune, de la lune, où il n'y a pas de lune. On voit seulement l'ombre. Non? Oui, alors, la lune change-t-elle de forme selon un modèle? Est-ce qu'elle suit un modèle? Okay. On va voir un petit clip, une petite vidéo de la Lune. Vous allez observer les changements de la Lune. Vous allez écrire vos observations et poser des questions.
Alors, vous allez créer une table comme ça. Observation. Vos observations et vos questions. Donc, ce que vous voyez que la Lune fait et les questions que vous avez. OK? Ça va? Vous avez compris? Est-ce qu'elle change? Oui. Oui, elle change. Donc ça c'est une observation que vous pouvez écrire. Elle change de temps. Est-ce qu'elle tourne? Elle tourne un petit comme ça, mais est-ce qu'elle tourne comme ça? Non. Oui. Alors, ça c'est quoi ça? La Terre. Oui, ça c'est la Terre et ça? La Lune. La Lune. Et où est le Soleil? Donne la lumière à la Terre et à la Lune. La Lune orbite la Terre. Voilà, ça c'est pourquoi c'est grand ici. Et maintenant il change. Et on ne voit pas la Lune maintenant. Ça prend combien de jours? On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 26, 27, 28. Combien de jours? 28. Observation. 28 jours. Est-ce qu'on voit l'autre côté de la Lune? L'autre côté? Non. Non. On voit seulement la surface de la Lune, pas l'autre côté. Thank you.
Ok. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions que vous pouvez poser là? Pas de questions? Presque. Elle change de quel donc il vient de quel quel côté, de la gauche ou à la droite? À la droite, il change. Okay. Très bien. Alors. Alors, voilà, la lune change tous les jours. Non? Et ça prend combien de jours pour changer complètement? 28. Très bien. Alors, si vous voyez dans cette calendrier ici, qu'elle change, ça c'est la ligne pleine, non? Et il diminue de quel côté? À droite. À droite, oui. Elle continue à diminuer, non? Oui. Ok, alors. Communiquer. Dans votre journal, dessinez et décrivez comment l'apparence de la Lune change et le modèle qu'elle suit. Bien? Donc, en fonction. C'est l'apparence, hein, comme il ressemble. C'est l'apparence de la Lune est un cercle entièrement éclairé. C'est-à-dire la Lune pleine, non? Que vous attendrez-vous à voir dans les jours suivants? Comment le sais-tu? Alors, ce que vous allez faire dans vos journaux, vous allez commencer à dessiner et expliquer, non, avec la ligne pleine ici. Qu'est-ce qui va passer? Il va quoi? Diminuer un peu à la fois, non? Quoi d'autre? Il va continuer, non? Alors, vous allez continuer cet exemple-là et vous allez décrire. Dessiner et écrire comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Combien de jours?